Combien de fois j'ai changé d'école cette année? Deux fois? Trois fois? Je sais plus. Au sommet, en rang! À chaque fois, faut tout recommencer. Dire qui on est, pourquoi on est là. Moi, j'ai plus envie. Bon, allez en classe! Bon, un petit peu d'attention. Je vous présente un nouveau camarade, Eric. Il revient vivre en France après un séjour en Afrique. Alors, je compte sur vous tous pour l'aider à découvrir notre école. Allez, va t'asseoir. Avec Yann, il va la découvrir, l'école. Silence! Bien justement, puisque Gilles te le propose, assieds-toi à sa table. Gilles va retirer son cartable. Hein, Gilles? Eric, tu rempliras la fiche de renseignement dans ton cahier de correspondance. Je ferai comme d'habitude. Je laisserai une case blanche. Tu me passeras ta règle. Tu me diras comment c'est la fac. Yann, j'ai dit silence. Alors Tarzan, c'était bien la jungle? Des lions, des tigres? Des lions, oui. Les tigres, ça vit pas en Afrique. C'est vrai qu'il y a des arbres tellement grands que leurs branches disparaissent dans les nuages. Fais pas gaffe, il a rien dans la tête. C'est toi qui as rien dans la tête. Même que ça s'appelle des séquoias. Tu vois trop de dessins animés. Est-ce qu'il y a des séquoias? Il y a aussi des baobabs. Yann, je sais pas pourquoi. Je voulais pas lui mentir. Les enfants, on ne se bouscule pas! Le Guélec, combien de fois faudra-t-il qu'on te répète qu'avec le verbe être, les participes passés prennent un E au féminin? Tu le fais exprès? Rôle d'élève. À chaque fois, je dois y regarder à deux fois pour savoir si je dois dire jeune homme ou mademoiselle. Il y a des parents d'élèves que ça choque. Leurs enfants ne risquent pas grand-chose. Il est toujours tout seul dans son coin. Oh! Tu passes la nuit ici, toi? Ça m'a l'air d'un rêveur, celui-là. Oui, ne s'est pas remis du décalage horaire. Quel décalage horaire? Le petit Marlard, il m'a dit qu'il était scolarisé en Afrique avant. Il a changé plusieurs fois d'établissement pour des problèmes de discipline, mais l'Afrique, ça ne me dit rien. Pourtant, la DAS m'a donné son dossier. On fait un foot. Tu joues? Je n'ai pas assez pour le match. Yann, il joue? Laisse couler, on joue entre mecs. Alors, tu joues? Faut que je rentre. Il y a ma grand-mère qui m'attend. Yann, attends! J'ai un ami. Il habite là. En haut du phare, tout seul? Ouais, moi aussi des fois je dors là-haut. Tu vas en bateau? Il y a un passage secret pour y aller à marée basse. Un passage secret? Tu le connais? Si je te dis le chemin du phare, tu me diras comment c'est l'Afrique. D'accord. Alors à samedi sur le port. La marée basse! C'est à midi! Moi, Circle Tripou, achetez mes pescadous. Tu te crois à Marseille, Philippe? Tu vois, avec ça, tes phoques et tes otaries vont se régaler. T'es prêt? Si on a faim. Si on a faim, j'aime mieux que tes gâteaux. Le Guélec, tu vas où? On va à Cordouan. Et pourquoi pas sur la Lune? T'es sûr que tu veux y aller? Parce que si on descend, on pourra pas faire le tour. Pourquoi elle t'a appelé le Guélec? Pourquoi tu t'appelles Eric? Parce que c'est mon nom. Bah alors, moi aussi. Regarde, celle-là, elle bouge encore.
te goinfre pas, garde-en pour tout à l'heure. Ouais, salaud, il a failli me choper. Comme ça, il peut rien te faire. Les gros, ils peuvent te couper le doigt. T'as pas dit qu'il fallait se grouiller pour pas se faire choper par la marée? Mon père disait, si tu t'endors ici, tu te fais bouffer par les crabes. Le lendemain, il n'y a plus que ton squelette. S'il voulait me faire peur, il était mal tombé. Il était facile, son chemin. Regarde pas en bas, saute. T'es sûr que c'est le bon chemin? Si t'as la trouille, on fait demi-tour. Faut pas faire peur à ta grand-mère. Y a personne chez moi. Fais pas celui qui sait pas parce que je t'ai vu regarder dans mon carnet de correspondance. Moi aussi, y a personne chez moi. J'en fais pas toute une histoire. Elle est bonne, hein? Elle est gelée, oui! C'est ça ton passage secret? Ouais! Pour la première fois, Yann n'avait plus l'air sûr de connaître le chemin. Le passage est bouché! Faut plonger! Je sais pas nager! Hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Attends, je vais voir si on peut passer! Attention! La marée montait. On avait 9 chances sur 10 de ne pas revenir. Je pensais qu'il y a une seule chose. Yann, c'est une fille. On est passé! On est passé! Ah, comme ça, tu seras pas obligé de les manger. À la bouffe, les crabes! Tu connais pas la mer, tu sais pas nager, et t'as pas eu peur de te noyer. Ma mère, je sais qu'elle est toujours là. Elle me protège. Tu me crois pas? Viens. Je voulais lui montrer que ma mère existait toujours. Que c'était pas un petit ange à la noix qui protège quand ça lui chante. Arrête, tu vas tomber. Tu me fous la trouille. Comment tu t'appelles? Marie. T'as pas peur de tomber, Marie? Si tu tombes, je tombe. Tu me crois maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme vent? On peut être encore plus près du vent. On continue? On continue. Et comment vous y seriez arrivé? En suivant les bancs de sable. Vous auriez pu vous noyer 100 fois? Il y avait quelqu'un qui nous protégeait. Une chance que ce soit un petit coefficient de marée et que je vous ai vu. Quand j'étais petite, tu me disais que la mer était belle. Parce qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part? C'est des histoires, Marie. Je sais que c'est des histoires. Autrement, mon père, il aurait trouvé le phare. Bon, ben, puisque vous vouliez venir chez moi, on y va.
n'y a pas que les séquoias qui touchent les nuages. Alors, vous venez ? De là, on peut voir jusqu'au bout du monde. Vous allez finir, gardien de phare ! Descendez, faut qu'on rentre avant la nuit. Bon, allez. Mettez ça, sinon vous allez être trempé. Tiens, mets ça, toi. Mon père, il voulait un garçon. Tu leur diras pas aux autres que tu sais. Que je sais quoi. C'est la première fois que je traverse. J'ai jamais été en Afrique. J'ai froid. Où t'étais? Je t'ai cherché partout, Marie. Ce matin, je t'ai dit qu'on allait à Cordouan. Je croyais que tu allais en bateau. Est-ce que c'est moins dangereux en bateau? Écoute, Marie, faut que t'arrêtes de faire des bêtises. Mentir aux autres, c'est pas bien, mais se mentir à soi-même, c'est dangereux. Bon, file dans la voiture. Puis toi aussi, je te ramène. Merci de m'avoir appelé. J'étais morte d'inquiétude. C'est elle qui a eu l'idée, hein. Moi, j'ai fait que prêter le téléphone. Vous êtes le gardien du phare? Vous auriez préféré un vieux bonhomme avec un ciré jaune et une pipe. On était à peine plus grand qu'eux. La Rochelle. Le col de voile. Pierre? On vous voyait jamais, vous étiez toujours en train de préparer votre bateau pour les régates. Avant, on se tutoyait. Je le connais? Je sais pas. Je comprends pourquoi. Je croyais que, vous... enfin, que t'avais disparu. Quand on est là-haut, pour les gens, c'est comme si on n'existait plus. C'était un bon marin, son père. C'était mon frère. Je sais. J'imagine qu'à part les gardiens de phare, les marins n'ont pas grand monde à qui se confier. On a un peu leur conscience. Il m'a jamais parlé de toi. Ben, on trahit pas sa conscience. Je m'en suis voulu de pas avoir été de garde cette nuit-là. Ça aurait changé quelque chose. J'en sais rien. Merci de les avoir ramenés. C'est là. Je veux pas que je te raccompagne, tes parents ont dû s'inquiéter. Bonne nuit. Salut. J'avais pas montré la bonne maison. Je voulais pas qu'ils sachent où j'habitais vraiment. T'as vu l'heure ? Ou t'étais encore fourré ? Et comment t'es habillé ? J'étais chez un copain. On a regardé un film. Mais quand tu vas chez des gens, tu pourrais nous prévenir. Oh là, si c'est peut-être pas en devant de l'homme. Oui, mais à partir de maintenant, je veux que tu rentres de la fin de l'école. Oh, c'est pas si c'est... Oh, t'es trop gentil. On en a élevé des enfants. Celui-là, il arrête pas de faire des conneries. Mais je t'ai déjà dit que tu pouvais te servir de l'armoire. Pourquoi tu laisses toutes tes affaires dans la valise ? Pas l'affaire si je dois repartir. Tu veux repartir? Je sais pas. C'est jamais moi qui décide de m'en aller. Je fais tout pour te faire plaisir. C'est comme si on n'existait pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça? Tu veux que je te laisse la lumière? Ils devraient être contents, ils ont économisé le dîner. Et je ne veux pas de copie blanche. Vous n'irez en récréation que quand vous aurez terminé votre travail.
C'est pas bon? Bien, c'est étonnant. Surtout pour quelqu'un qui a suivi le cours de géométrie d'une oreille. Allez, file. Mais on sait tous qu'elle aime passer pour un garçon. Mais de là à lui acheter des vêtements qui la confortent dans son obsession... Vous savez que la mode aujourd'hui, hein, les garçons, les filles, on sait plus trop. Il n'y a pas que l'habillement. Il y a son comportement qui pose des problèmes aux enseignants. Ça dénote quand même des problèmes psychologiques évidents. J'ai jamais rien remarqué d'anormal dans le comportement de Marie qui me fasse penser qu'il y a des problèmes de ce genre. Elle a une mauvaise influence sur les autres enfants. Son aventure d'hier en est le meilleur exemple. Enfin, vous imaginez ce qui serait passé si... Beaucoup de parents d'élèves sont venus se plaindre de son attitude vis-à-vis de leurs enfants. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça ressent une petite fille qui a perdu son père? Je pense que Regina Passy serait un établissement qui lui conviendrait beaucoup mieux. Mais Regina Passy, c'est une école de filles. À notre époque, c'est... C'est surtout un établissement où les effectifs de classe sont moins importants. Il y a donc un meilleur suivi scolaire. Mais pourquoi vous voulez que Marie change d'école? Pour repartir sur des bonnes bases. Pour ses camarades, elle aura un passif vierge de toute idée préconçue. Elle aura beaucoup moins de mal à s'adapter. Et qu'est-ce que je fais, moi, si Marie veut pas changer d'école? Vous n'avez pas encore la garde officielle de Marie. C'est au juge d'en décider. Plusieurs critères entre lignes de compte pour une adoption. Le simple fait que vous n'ayez pas d'autorité sur elle... Vous n'êtes jamais venu chez nous. Vous savez pas comment on vit. Vous êtes là à tirer des conclusions. Si je devais vivre avec tous les enfants dont je m'occupe pour vous faire une opinion... Oh, descends de là. T'es peut-être bon en géométrie, mais si tu veux pas te casser la figure, tu ferais mieux de réviser les lois de la gravité. Allez. Mike va être père d'ici 2 ou 3 jours. C'est grâce à toi. Tu parles d'un exploit. Encore un animal qui va passer sa vie dans un zoo. T'es la première à obtenir la naissance d'un bébé gorille et t'es pas heureuse? Si, si, je suis heureuse, Francis. Je suis heureuse. Merci. Bonjour. T'as ramené leurs affaires. Je vais pas vous déranger. Vous m'avez mis dans l'embarras en prévenant l'école. J'ai appelé personne. J'ai simplement prévenu la capitainerie que je devais quitter ma garde plus tôt, le temps de ramener les enfants à terre. C'est pas vous qui leur avez dit que Marie et le petit étaient allés au phare? Pourquoi j'aurais fait ça? Excusez-moi, faites tout pour moi en service, moi je vous agresse. Je croyais qu'on se tutoyait. Ça fait des mois que je me bats pour obtenir la garde de Marie. Elle continue à faire des bêtises plus grosses qu'elle. C'est la seule famille qui lui reste. Ça paraît logique qu'on te la confie. Il n'y a jamais rien de logique dans leurs décisions. Pour eux, je fais un métier qui me prend trop de temps. Je m'occupe pas assez de Marie, en plus je suis pas mariée. Ça, ils ont de grandes idées dans les ministères. Moi, ils ont décidé de me remplacer par un radar qui va surveiller l'estuaire à ma place. Je me vois déjà en grade papier à la capitainerie. Et toi, s'il suffit de te marier pour obtenir la garde de Marie... Tu perds pas le nord. Si moi je perds la boussole, t'imagines la cata? J'ai plus de chance que ton Francis, j'ai réussi à te faire rire. Comment tu savais que je travaillais ici? Ça, c'est une longue histoire. J'ai tout essayé pour la rendre heureuse, mais j'arriverai jamais à remplacer mon frère. Ce soir, ça vous dit une fricassée sur le port? Oui. Est-ce que tu viendras? La dernière fois que tu m'as donné rendez-vous, j'ai attendu une bonne journée en plein soleil. Mais ce soir, le soleil sera couché. On se retrouve comment? Mais c'est pas difficile, c'est plein nord. D'accord. Lâche-moi! Yann, attends! Oh, monsieur pas! Tiens, il y a la nana qui se ramène. C'est pas une nana, c'est un mec, il est bizarre. Moi, je te dis que c'est une gonzesse. T'as un truc de parier? Moi, je te dis que c'est un PD. Moi, je parie ta montre. Bon, d'accord. Mais si tu paumes, tu me files ton couteau. Et moi, je gagne quoi dans l'histoire? T'as déjà un couteau et une montre. On va se la choper. Thank you.
Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il a parlé que t'es un PD. Mon père, il a dit que t'es bizarre. En plus, c'est ce qu'il dit, le flic. Moi, j'ai pas besoin de parier pour savoir que t'es aussi con que ton père. Tiens-lui les jambes! L'arrête pas de gigoter! C'est une nana! J'ai gagné les mecs! Il m'a pété le nez! T'as trop sur une fille! Vous avez pas honte? J'avais pas besoin de toi. Si je t'ai fait quelque chose, dis-le! Parce que si c'est vrai, tu me reverras plus jamais. T'as trahi, tu leur as dit. À cause de toi, maintenant, je vais dans une école de filles. C'est pas moi. Alors comment ils l'ont su? C'est pas moi. Tu m'as menti quand même. Je t'avais dit de pas me suivre. J'ai entendu les autres faire leur pari. Tu mens encore. Ils m'ont suivi qu'après. Et toi? T'étais déjà là. Je me suis accroché au car avec le vélo. J'avais peur qu'ils t'emmerdent. T'as eu peur pour moi? Pourquoi tu veux que je te réponde? Parce que je suis un menteur. La vache! T'habites là? Les gamins d'ici m'appellent la Guenon. Je voulais pas que tu dises la même chose. Attends, t'habites dans un zoo. C'est comme si t'habitais en Afrique. T'as jamais été? Tu peux pas savoir. Ma mère m'en a tellement parlé. C'est comme si j'étais née là-bas. Il y a plein de choses que je peux pas savoir parce que je suis petit. Mais ce que je sais, c'est que j'aurais voulu être avec toi quand je serais grand. C'est une dîner. T'as tout lu? Ouais. Celui-là, c'est mon préféré. C'est un requin? Ouais. Quand je n'avais pas école, mon père m'emmenait toujours pêcher avec lui. Si j'avais su, j'aurais jamais été avec toi, enfin. T'inquiète, faut aller loin pour les chercher. Ils bouffent pas et tout, c'est comme toi. Ils vont m'entendre, ses parents. Merde. Tu le connais? Ouais, c'est le père Mathieu. On se taille. Hé hey! Venez ici! Hé hey! Arrêtez-vous! Son père, c'est un gendarme! C'est pas un gendarme! C'est un garde champêtre! La vache, t'as vu la tronche? Je préfère encore les requins. C'est Mike, il est gentil. Hé! Venez ici! Venez ici, je vous dis! Je vais pas aller dans une école ici. Attendez que vous attrape! Ouvrez! Ouvrez cette porte immédiatement! Tu l'as enfermé? Bah, il est sympa, Mike. Ouais, mais il faut qu'il le connaisse quand même. Sur les logos, il faut demander l'autorisation. Garde champêtre ou pas, je m'en fous, moi. Vous avez un téléphone? Papa, ils ont crevé les pneus. Toi, rentre. Tant pis pour eux, je préviens les gendarmes. La côte a été déminée. Si on a faim, on est sûr d'avoir du poisson. Tiens, lance-la. Elles sont foutues, elles ont rouillé. Oh la vache! Si on veut pas se faire repérer, il n'y a pas intérêt à pêcher avec ça. Si on veut pas qu'ils nous retrouvent, qu'on aille dans un autre pays. Où?
À La Rochelle, on ira dans un bateau et on ira en Amérique. On peut aller en Chine, au Canada, habillé comme ça. Tu veux pas qu'on essaye? Si on veut partir, faut prendre des vêtements. On se rendait pas compte qu'on était vraiment dans la merde. Moi, je le savais. Mais qu'est-ce qu'on était bien tous les deux. J'étais plus tout seul. Pas des ciseaux. J'aime pas quand je ressemble à une fille. Il y en a en bas. Mais ça craint. Ça te va bien. Prends les jumelles. Ça peut servir. Descends en bas. Petit voleur! Je savais bien que tu préparais des conneries. Tu vas voir. Je vais t'apprendre à voler chez les gens. Baisse tes yeux. Baisse tes yeux, je te dis. Arrêtez. Arrêtez. Tu baisses tes yeux. Baisse tes yeux, je te dis. Baisse tes yeux. Tu baisses tes yeux. Merdeux, là. Mais pour qui vous prenez? Eric! Aïe! J'ai mal au dos. Tiens-toi sur moi. Un vélo, là. Vous n'auriez pas vu de gamin? J'ai vu des mômes là-bas. Là-bas? Va-t'en! Tout ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Je porte malheur. Je les connais. Faut pas essayer de se battre contre eux. On a toujours tort. Je reste avec toi. Ma tante, elle va m'adopter. Elle peut t'adopter, toi aussi? Pourquoi elle ferait ça? Pour me faire plaisir? Les gens, ils font ça pour de l'argent. S'ils font ça pour rien, c'est que ça dure pas longtemps. Y'a qu'un accès. Prends l'escalier. Ouais, ils pourront pas te sauver. Des fois, c'est comme si on m'avait coupé la langue. C'est pour ça que je mens. À moi, tu m'as pas menti? Avec ceux que j'aime, je peux parler. Tu vas te calmer, oui? Viens par ici. Ah, c'est des excités, ces deux-là. C'est fini, oui. Et t'as de gigoter, toi? Oh, tu te tais? Allez. Mais c'est pas possible, ça. Viens par là. Oui. Ouais, c'est ça. Ah. Madame? Monsieur. Salut, toi, t'es descendu de ton perchoir? Attends, on vient voir. Marie Le Guélec. La fille qu'on a arrêtée? Vous avez le livret de famille? Je suis sa tante. Ah, désolé, pour les mineurs, il n'y a que les parents directs autorisés pour les visites. C'est la fille de Loïc. Eh ben, c'est pas un cadeau, hein. Tu verrais le chambard qu'ils nous ont fait depuis ce matin. Et qu'est-ce qu'ils feraient, tes enfants, toi, si t'étais pas là pour les élever? Marie? Discret, la grenade, hein. On vous a entendu depuis le Cap Horn. Une grenade? Mais vous êtes inconscient ou quoi? Madame, s'il vous plaît. Le juge de la brigade des mineurs est arrivé. J'ai peur. La grenade, c'est moi.
T'es à peine arrivé en voyant et tu connais Jeannot Planck. Hey, te bille pas. Y'a pas de honte à protéger une fille. Asseyez-vous, je vous en prie. Je viens de lire le rapport de gendarmerie. C'est une vraie épopée. C'est pas tous les jours qu'on est confronté à pareil cas. Heureusement. Ce sont des enfants, ils se sont montés la tête tout seuls. Des enfants? Nous avons quatre délits qui relèvent du droit commun. Vol, coups et blessures, détérioration des biens publics et utilisation d'armes de guerre. D'après les premiers témoignages recueillis par mes hommes, le garçon serait l'instigateur de tout ce cirque. Je vous laisse mon bureau. Merci, capitaine. Celui-là, il aurait dû être placé dans un établissement privé depuis longtemps. Vous croyez que ça va arranger les choses de l'enfermer dans une maison de correction? N'utilisez pas des termes qui ne sont plus en usage aujourd'hui. Ce sont des établissements qui sont propres à recevoir ce genre de cas. N'allez pas en plus vous occuper de l'avenir du petit Marlard? Dans votre dossier, vous avez déclaré vivre seul. Est-ce toujours le cas? C'est important. Le concubinage n'est pas reconnu officiellement par la loi pour obtenir la garde d'un enfant, mais c'est un élément qui est soumis à mon appréciation. C'est-à-dire que... Ah oui, on vit ensemble. Maritalement? Oui. Vous en avez fait la déclaration en mairie? Ça me semblait pas utile, mais si c'est nécessaire... Bien. Vous semblez concerné par son avenir. En conséquence, j'accepte que Marie reste à Royan, à Regina Passy avec le statut de demi-pensionnaire. Merci, monsieur le juge. Madame, monsieur, j'espère qu'à l'avenir, je n'aurai pas envisagé d'autres solutions. Merci. Vous me ferez venir le petit Marlard, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il s'en aille. Je vais réfléchir avant, ma petite. Mais viens, Marie. C'est ton dernier mot. Tu veux pas venir? Monsieur le juge, il refuse de venir vous voir. Vous voulez que je demande à un gendarme? Non. S'il ne veut pas venir, je vais y aller. Seul. Alors, tu veux pas me parler? Pourtant, on ne se connaît pas. J'ai pas envie qu'on se connaisse. Mais là, t'as poussé le bouchon un peu loin. Vol de vélo, monsieur Pertu avec une fracture de la hanche. Un de tes copains qui a le nez cassé. C'est pas un copain. On s'est compris. Le reste, j'ai pas besoin de te le raconter. Il y a une raison précise à tout ça. Bon, tu n'aimais pas ta dernière famille, d'accord. Mais ceux d'avant, ils avaient plusieurs enfants. Tu faisais presque partie de la famille. Ils disent toujours ça. Mais dès qu'il y a un problème, c'est notre faute. Marie me dit qu'on t'a frappé. C'est vrai? Vu l'énergie qu'il a fallu pour vous attraper, il a pas dû te faire trop mal. Vous, vous êtes tous pareils. C'est pas très flatteur, ça. Moi, je crois que tous les enfants sont différents. Dis, à force de changer de famille d'accueil, t'auras bientôt visité toute la France. J'aime voyager. Ah, je croyais que tu avais des bonnes raisons de rester à Royan. Je veux pas les sympas. Je sais ce que vous allez dire. Ma nourrice est géniale, celle d'avant aussi. Je vais devenir un voyou et je finirai en prison. Raisonnement sensé. Et la suite? Vous allez me mettre en pension. Bien deviné. Je l'ai pas deviné. C'est la vieille chouette qui croit faire peur qui me l'a dit. C'est pas elle qui l'a décidé. C'est moi. T'as une autre solution? Bah tu vois, toi aussi tu pourrais être juge. Ça m'a l'air d'un sacré oiseau celui-là, hein? Oh, j'en ai vu pire. J'ai cru comprendre que vous vouliez qu'on fasse une enquête sur monsieur et madame Pertuis. Une fugue a toujours une raison. Si nous voulons éviter que ce genre de situation ne se reproduise, il faut les expliquer.
Je vous demanderai donc de suivre la procédure administrative habituelle. Éric Marlat, parent décédé. Elle dort. Avec la journée qu'ils ont passée. Hein. Si mon frère était là, ça serait pas arrivé. Après tout, ils ont peut-être raison. Je suis peut-être pas capable d'assumer. Quand les gens veulent avoir raison, ils trouvent toujours des explications à tout. Elle est si lointaine parfois. T'en veux à tout le monde quand t'es malheureux. Mais à part à toi, à qui elle peut le montrer? Je pourrais peut-être l'emmener voir un psychologue, non? Et ça, pour qu'il lui tourne le bout de la tête. Y'a que toi qui peux l'aider à réapprendre à vivre. C'est gentil. Si on m'avait dit qu'un jour je te donnerais des conseils. Faut que j'y aille. Sinon je vais rater la relève. Si t'as besoin de moi, tu sais où trouver. Il faut qu'elle se dépêche, te battra bientôt. Merci. Moi, je le connais par cœur. Aussi. Tiens, salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais au Verdon. Tu bois un café? Bah je peux pas, garde le petit. Bah vas-y, je t'en ai commandé un au bar. Je vais m'en occuper du gamin. Franchement, si tu crois que je te vois pas venir. Hé, hey, il va pas se sauver. Où veux-tu qu'il aille? Va pas tomber. Hein. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est ça ce que tu penses, non? Moi, je serais triste. Marie, elle sera encore plus triste. Les gens qu'on aime, on les retrouve forcément un jour. Je reviendrai, Marie. C'est le numéro du cabinet du juge. Il a dit qu'au moindre problème, tu pouvais l'appeler. Têtu comme une mule, hein?
montrer ton dortoir. L'étude est bientôt finie, mais t'auras le temps de ranger tes affaires dans l'armoire. Arrête! Arrête! Tu recommences, t'es mort. Toi, t'as rien vu, d'accord? Tu t'appelles comment, toi? Oh, tu réponds? Moi, c'est Momo. Lui, c'est Pecher. T'as un terrain de souvenirs. Bon, regarde qu'on te parle. Tu nous fais pas peur, hein? Avant l'esclave qui faisait nos pieux, c'était le petit con là-bas. Viens là, toi. Comme t'es le dernier arrivé, maintenant ce sera toi. Fini les corvées. T'es en vacances, mec. T'as pigé, branleur? Fais le bien. J'aime pas dormir dans des draps avec des plis. Fais gaffe, ils sont complètement loufs. Moi, c'est Rémi. Et toi? Marie, laissez-la, s'il te plaît. Ça sert à rien. Au moins pour la taille, il faut que je sache. Y a pas à choisir, c'est la jupe de l'école. Marie! 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 Fais-moi plaisir! Heureusement qu'il y a une girafe, Marie, vous étiez là. J'ai visité une zone dans tous les sens. Bon, tu peux essayer de la convaincre de passer cette jupe normalement, s'il te plaît. Bon, tu fais ce que dit Corinne? Non, mais elle le fait exprès de la main à l'envers, c'est n'importe quoi. Waouh! J'ai l'air d'une idiote. Ouais, une idiote peut-être, mais drôlement jolie. Hein. Hey, t'aurais pu donner la bonne adresse à ton copain. Il a écrit? Ouais, mais sur l'enveloppe, il a mis phare de Cordouan. Sa lettre est arrivée à la capitainerie. Bon, ça me va. Bon, et cours pas. Je l'ai. De plus en plus rapide. Hein. Ça donne envie de t'écrire, ça. T'as pas fait nos plumards ce matin. Tu sais ce qu'on fait à ceux qui jouent au con? Demain, si t'obéis pas, on te laisse crever là-dedans. Dis un mot, t'es mort. Wow, qu'est-ce que c'est que ce souffle? Yatch, on s'arrache. C'est quoi ce bordel? À droit. Laisse-toi faire, après ils te lâcheront. Passe-moi mon cahier. Tiens. Prends ma lampe. Ici, ça va. C'est comme une école où tu dormiras la nuit. Il n'y a que des garçons, ils sont gentils. On voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux. J'ai compris ce que ça veut dire. Il manque une petite guenon dans ton livre, mais c'est bien quand même. Je sais pourquoi t'aimes cette histoire. Le petit prince dit qu'il va partir habiter une étoile. Qu'il ne faudra pas que son ami soit triste quand il ne sera plus là. Il n'aura qu'à regarder le ciel, et il verra une étoile qui sait rire. Toi, tu n'auras qu'à regarder le phare. Ma tante a changé. Elle est toujours avec moi. Pierre passe souvent à la maison. J'espère que tu n'as plus mal au dos et que la pension, c'est pas trop dur. On dirait que l'océan est encore plus grand depuis que tu es parti. Je te demande pas à qui t'envoie cette lettre. J'aurais jamais osé écrire à un garçon à son âge. Dommage. Rade-moi ces andouilles. Avec le vent, j'ai du mal à être précis. Clément ! Ils appellent ça du vent. Pauvre terrien. C'est une horreur, leur bazar.
C'est bon! On fait les tests de communication et puis la balise sera opérationnelle. Ce machin va faire mon boulot. Mais pas peur. Hein. Des milliers d'avions atterrissent chaque jour grâce à ce système. On n'est pas sur un aéroport. Ça résiste à 300 km/h de vent. Ça fonctionne 24 heures sur 24 et ça prend jamais de vacances. Parce que moi j'en prends des vacances. Je sais bien que c'est difficile de se faire remplacer par de la technique, mais il faut ça à 100% pour éviter l'erreur humaine. Allez. C'est un mal pour un bien. Je vais enfin pouvoir me balader avec mes deux petites femmes. Et les vagues? Ça résiste aux vagues? Vous n'allez pas me dire que les vagues arrivent jusqu'ici? Les vagues, non. Les embruns, oui. C'est à plus de 30 mètres d'eau, j'aimerais bien voir ça. Ah, vous allez le voir, avec la tempête. La tempête? Mais j'ai interrogé la météo et il n'y avait rien d'annoncé sur l'ordinateur. L'ordinateur? C'est une manie. Vous voyez la crête blanche des vagues? Ça, c'est mon baromètre. Je peux vous dire qu'il va y avoir un sacré coup de vent. Bon, ben, moi, je suis pas fâché qu'on rentre sur la terre ferme. Hein. Vous partez? Faudra bien, on a une intervention ce soir à l'aéroport de Bordeaux. Ben, c'est les poissons qui vont être contents si vous coulez. Pourquoi ça dure longtemps, une tempête par ici? Rarement plus d'une semaine. Il n'a pas prévu ça, l'ordinateur de la météo. Alors, il n'y a pas que des erreurs humaines. Il y a des erreurs d'ordinateur. Tu leur as flanqué la trouille. Ça leur apprendra à bousiller mon paysage avec leur sèche-linge. La mer est belle parce qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part. Momo au graphe. Lâchez-le. T'as pigé, esclave? Demain, t'as intérêt à faire nos lits. Sinon, la prochaine fois, tu passes la nuit. Mais il est taré, ce mec-là. T'es trouvé souvent endormi comme ça? Elle a l'air tellement bien avec toi. Elle vient de se coucher. On est dans le seul endroit au monde où l'électricité date du 15e siècle. Ils te mettent des trucs électroniques et ils s'occupent pas du reste. Un jour, ça va péter, ça. Regarde. Il faut des doigts de femme pour s'occuper de ça. Bah, c'est ce que je réclame depuis des années à l'administration. Une femme pour s'occuper de tout ici. Elle ferait que ça. Bon, moi, je sais pas si je vais signer la déclaration de concubinage à la mairie. Mais c'est simplement pour Marie que j'ai dit ça. Et pas pour moi? Pourquoi t'es pas venu? Je suis là. Me cherchant un bâton. J'avais dématé. J'avais fini la course en dernier. Je me moque du bâton. T'es jamais revenu après. Ouais, mais t'étais la fille du directeur du zoo. Moi, fils de pêcheur. Il y a tellement de types qui te tournaient autour. Fils du médecin, fils du chirurgien, fils du pharmacien. Je suis jamais malade. Et moi aussi. J'ai un vieux loup de mer malade, moi. Je pense que j'osais pas t'approcher. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de filles qui tournaient autour.
La fille du poissonnier, la fille du chalutier, la fille du marais. Pigez ce qu'on t'avait dit. On écrit à qui? Si c'est comme une école où tu dormirais la nuit. Avec les garçons, ils sont gentils. Attends, c'est d'où tu parles? On voit bien qu'avec le cœur, le reste est invisible pour les yeux. On vient d'hériter d'un scribouillard, les mecs. Maintenant, tu comprends la nuit. Demain, après-demain, je t'aurai. C'est ça, trouillard. Ouvre, ouvre-lui. Attends, il n'a pas fait les plumards. Ouvre, je te dis! C'est enfermé, ce con-là! Il a la coupe de se prendre du branlé! Sardela! Déconne pas, Sardela! Il va attendre le surjet pour sortir! Il va nous dénoncer! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ton lit? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Allez, sors de là! Et mets ton pyjama. Qui t'a enfermé? Bah, réponds. Bon, qui l'a enfermé? Ne faites pas semblant de dormir. J'ai dit qui l'a enfermé? Personne ne répond. Ok, on en reparlera demain. Qui t'a fait ça? Viens. Merde, il va tout raconter. On va morfler grave. Il dira rien. J'espère, j'ai pas envie d'être collé à cause de cette gonzesse. T'as vu son dos? C'est toi la gonzesse, grave, pas lui. Mais qu'est-ce que tu fais là? La femelle de Mac vient d'accoucher. Tu veux pas voir le bébé? Pas tout de suite, j'ai des doigts. Oui. Dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu ton carnet de correspondance. Je l'ai oublié à l'école. Ça fait deux fois que je te le demande, tu ferais bien de me le ramener. Pourquoi tu veux le voir? T'as pas confiance en moi? Mais si. Pourquoi t'es toujours aussi agressive? Excuse-moi. J'aime bien comment t'habiller. Je crois qu'on a le même fournisseur. Tu l'aimes? On pose pas des questions quand on connaît déjà les réponses. Ah, j'oubliais. Y a du courrier. Je peux prendre ton appareil photo? Oui, pour quoi faire? Pour prendre le bébé de Mike. Qui a pu se battre? Ou se faire bisuter par les autres? Non, ces marques dans son dos sont anciennes. Il y a même une fracture qui s'est consolidée d'elle-même. Une fracture? Oui, de l'apophyse. Enfin, même si on s'y prend un peu tard, il faut le soigner. Puis celui qui a fait ça, il n'est pas allé de main morte. Et ces cours remontent à combien de temps, d'après vous? Deux semaines? Trois semaines? Ça cicatrise vite à cet âge-là. Il n'était pas encore ici. Le professeur m'a dit que depuis qu'il était là, il n'avait pas sorti un mot. Et d'après les comptes rendus de mes confrères, c'est un enfant qui se culpabilise en s'enfermant dans ce qu'il croit être la vérité. Il se retire du monde. Comment ça? Il croit qu'il est responsable de la mort de sa mère. Il est persuadé qu'il aurait pu la guérir. Vous savez, aujourd'hui, on a les moyens de guérir les maladies physiques, mais ce qui se passe là... Il n'a rien dit, mais je crois qu'il faudrait un calme. Merci, mademoiselle. C'est monsieur Pertuis qui t'a frappé? Si
parce qu'il t'a battu que tu l'as poussé dans l'escalier? Mais écoute, je sais ce que tu penses de moi, tu me l'as dit. Mais comment tu veux que je fasse mon travail si tu me dis rien? Bon, si tu peux pas parler. Écris. Tu veux qu'un autre garçon subisse la même chose? Crois-moi, si c'est M. Pertuis qui t'a fait ça, je m'en occuperai. C'est les juges, c'est aussi pour les grandes personnes. Tu te plais pas ici? Tu peux te trouver une autre famille? Je peux pas, je peux plus. Maman, j'en ai marre. Chut. T'as pas eu de chance. La vie est pas toujours juste. Maman, je suis sûre qu'elle te regarde. Maman. Elle est très fière de toi, tu sais. Je vois, maman. Petit bonhomme courageux. Maman. Maman. La mer est belle parce qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part. La Seine, l'Oise, la Loire, la Vienne, les fleuves et les affluents que je viens de vous citer ont tous un barrage ou une usine marémotrice. Mademoiselle Le Guélec. Mademoiselle Le Guélec. Mademoiselle Le Guélec. Oui, madame. Ce que j'explique ne vous intéresse pas? Si, madame. Levez-vous quand je vous parle. Qu'est-ce que j'expliquais? La mer est belle, parce qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part. J'attends. C'est... la France? Effectivement, c'est une carte de France. Mais ce n'était pas ma question. Quand vous serez revenu parmi nous, vous pourrez nous dire à quoi vous pensez de si important pour vous désintéresser de mes cours. Je vois que j'ai dérangé mademoiselle dans son courrier. Je vais mettre un mot dans votre carnet, Marie. T'as vu le nouveau? Il a été collé pour le week-end. J'avais dit que c'était pas une balance. C'est quoi une balance? Quelqu'un qui s'occupe de ce qu'il regarde pas. Y'a pas eu match. Alors tu voulais me mettre une branlée? T'es tout seul là, t'as pas de placard pour t'enfermer. Ah! Putain, il m'a mis une pierre dans la gueule! Je vais le massacrer! Attends que je t'échappe, bâtard! Cassez-vous! Il va lui faire une tête. T'as un vrai dur, toi. Et ton collet? Tant mieux. J'aime pas qu'on paie à ma place quand je connais pas. T'es pas obligé de parler. Un acra sévère. C'est du russe. Ça veut dire elle est belle. Oublie l'histoire des plumards. T'as pas le temps avec ton courrier.
Tu l'as pas bastonné? Mais il a rien dans le bide, le Ruskov. Il a peur d'un petit branleur. Aïe! T'es gonflant, Graf. Tu comprends rien. Tu as peur? Tu bouges? Il n'y a pas de courrier? Non. Ça fait déjà 2 semaines. Il y a peut-être trop de travail. On se rend pas compte du temps qui passe. Tu veux goûter? Tu veux essayer? Qu'est-ce que tu fais, Marie? Pourquoi tu mets tes livres dans des cartons? Je les avais lus. C'est pas parce qu'on les a lus qu'il faut s'en séparer. Je me fais du souci, Marie. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Il y avait une page déchirée dans ton carnet de correspondance. T'as pas fouillé mon cartable? J'ai pas fouillé ton cartable. Simplement, si tu travailles plus à l'école, on va avoir des ennuis, c'est tout. Je te fais, là ! Touche pas ! Où t'as mis les lettres ? Il est dingue, ce mec ! L'amour, c'est sacré, maman, touche pas ! Où tu les as mises ? Réponds-lui ! J'ai pas pu toucher, il les a toujours sur lui ! Ah bon ? J'en recevais tous les jours ! Maintenant, il y en a plus, alors il y a quelqu'un qui les pique ! Il est fou, lui ! Comment je ferais ? Je sais que c'est toi ! Je te jure, c'est pas moi ! Et puis c'est le surjet qui distribue le courrier. Il a raison. C'est pas lui. Il sait ce que je lui ferais s'il mentait. Quelqu'un pique les lettres. Comment tu peux en être sûr? Il aurait jamais arrêté de m'écrire. C'est peut-être ici qu'on te les chaud. Pas Momo. Le surgé. On peut être fixé. Si c'est lui qui te les pique, elles doivent être dans le bureau du Dirlo. Mais accroche-toi, pour les taxer, c'est un vrai coffre-fort. T'inquiète pas. J'ai un proverbe. Quand on peut pas attaquer la banque, on attaque le fourgon. Et le fourgon du courrier, c'est la boîte aux lettres. Eric Marlard, centre de mineurs de La Rochelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars? Je vais sur le port. Maintenant? Mais t'as rien mangé. J'ai pas faim. Mais t'as déjà pas déjeuné ce matin. Tu manges plus rien. T'es pas malade, t'es toute pâle. Je t'ai dit que j'avais pas faim. Je comprends pas, on s'entendait bien toutes les deux. Tu recommences? C'est à cause des lettres, c'est ça? Je m'en fous des lettres. Marie a peur que tu l'aies oublié. Je sais que là-bas, tu dois avoir rencontré de nouveaux amis. Et je t'en supplie, écris-lui. Même un petit mot. Ça lui ferait très plaisir. Bien, Jean-Michel. Je t'embrasse, Corinne. Merci. Bah alors, je prends mon ponton pour une poubelle. Je suis remplacé par un satellite. Maintenant, vous allez m'avoir tout le temps sur le dos.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ces jolis yeux? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait, mon petit marin? Il m'a oublié. Pouf. Tu parles. Eric, il est comme toi, il oublie rien. Tu crois qu'on peut oublier ces jolis yeux-là? Ah, je préfère ça. Tu lui diras pas? Y a rien à dire. C'est compliqué, les histoires d'amour. Moi, j'ai attendu 10 ans, Corinne. Pourquoi tu lui as jamais dit avant? Parce que vous êtes plus fort que nous, Eric et toi. Je sais qu'un jour, vous vous retrouverez. Mais c'est grave ce qu'il a fait, Eric. C'était pas de sa faute. L'autre voulait le tuer. Il l'a tapé avec sa ceinture comme un fou. Eric, il a rien dit à cause de nous. Je vais te la mettre dans la boîte aux lettres. Si demain matin on te la donne pas, tu sauras d'où ça vient. Pas con. C'est un salaud. Qui ça? Le juge. Si c'est lui qui veut pas qu'elle m'écrive, j'aurais pas cru après l'autre jour. Tu croyais quoi, toi? Les juges, les flics? C'est tous des connards. Dis pas ça. Et ferme ton trou, tu vas choper la crève. Viens, viens. Tu veux pas ta mousse au chocolat? Marie? Marie? Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Marie? Marie? Appelez un médecin. Cette fois, il faut faire un effort, mademoiselle. Il faut que tu manges, Marie. Elle avait dit qu'il m'écrirait tous les jours. On va pas te faire boire en goutte à goutte, quand même. C'est rien. Ne vous inquiétez pas, elle finira par manger. Tu vas voir, ça va aller. Tu veux te faire embarquer par n'importe qui? Je vais me défendre! Et après, ils vont te choper. Tu veux faire comme moi et rester là-bas jusqu'à tes 18 ans? Ils me rattraperont pas. Mais l'être aussi, on lui donne pas. Je suis sûr qu'elle a besoin de moi. Je m'occupe du sujet. C'est le week-end. Si tu reviens lundi, il dira rien. Je reviendrai pas. Alors tu prends le train. J'en ai pas, mais tu pourrais être mon petit frère. J'ai toujours dit qu'un jour je retournerai dans mon pays. J'ai jamais eu les couilles de le faire. Mais moi j'ai pas de raison. Ma mère disait, quand on donne de l'argent, on doit donner un cadeau en échange. Nous on connaît par cœur. Salut. Enfin, vous n'avez pas rendez-vous. Je parle au juge, je le verrai. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas vous déranger, monsieur le juge, mais il n'a rien voulu entendre. Laissez-nous, Élise, ça va. Merci. Ça vous suffisait pas de les avoir séparés et de mettre le gamin en pension? Il vous fallait encore plus. Je peux savoir de quoi vous parlez? Évidemment. Pour vous, on est un numéro. Pas du tout. Je me rappelle très bien l'affaire Le Guélec-Marlard.
Et je peux même vous dire que j'ai vu il y a peu de temps le petit Eric et que je lui ai parlé. Vous avez de la chance. Moi, j'ai essayé de l'appeler à la pension. Sans autorisation de votre part, c'est impossible. Mais c'est tout à fait normal. C'est un mineur. Et les mineurs aussi n'ont pas le droit de se parler entre eux, ni de s'écrire. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi avez-vous fait interdire qu'on donne à ses enfants les lettres qui s'écrivaient? Je n'ai rien fait interdire du tout. Je vous l'ai dit, j'ai vu le petit Marlard. J'ai même découvert des éléments qui leur sont profitables à tous les deux. Profitables? Le gamin s'est fait battre à mort, vous êtes aperçu de rien. Et maintenant, Marie est à l'hôpital, elle veut plus rien manger. Alors qui a décidé qu'il ne devait pas s'écrire si c'est pas vous? Je n'en sais rien. Mais je vous assure que je vais le découvrir. Élise, passez-moi immédiatement le centre de mineurs de Bordeaux. Ce qui rend la mer belle, c'est qu'il y a toujours un phare qui se cache quelque part. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le reste est invisible pour les yeux. Comment se porte notre petite protégée? On dirait que son poids se stabilise. Elle mange? Elle refuse tout ce qu'on lui donne, docteur. Comment ça? Elle n'a rien mangé du tout? L'interne de garde m'a dit de continuer la perfusion tant qu'elle ne s'alimenterait pas normalement. Ça aurait dû me prévenir, mademoiselle. Elle s'est levée aujourd'hui? Elle n'a pas voulu. Elle avait du mal à tenir sur ses jambes. Madame, s'il vous plaît. L'océan est encore plus grand. Depuis que tu es parti. Madame, je ne vous cache pas que je suis inquiet. J'ai cru à une simple anorexie passagère, mais il me semble que cela soit plus grave. Elle est anémique. Sa tension a chuté passablement. Chaque fois qu'on essaie de la faire boire, elle crache tout de suite. Oui, ça c'est typique. L'estomac n'étant plus sollicité, il se produit des spasmes de rejet chaque fois que le patient ingurgite une substance quelconque. On ne pourra pas la maintenir. Non, enfin, je veux dire, on ne pourra pas stabiliser son poids indéfiniment si elle refuse de se nourrir. Vous la connaissez bien. Qu'est-ce qui pourrait la pousser à se détruire ainsi? C'est une longue histoire. Une histoire? Grave? Une belle histoire. Un garçon. Un garçon? Marie. Marie, c'est moi. Ouvre les yeux. Je savais que tu reviendrais. Je suis là maintenant. Je repartirai plus. Je repartirai plus. Non, écoute, enfin, c'est une enfant de 10 ans. Mais pourquoi personne ne veut comprendre? Elle est amoureuse. Amoureuse à la folie. Docteur, la petite a disparu. Comment ça a disparu? Elle est partie dans sa chambre, elle a pris ses affaires, elle est partie. Bah, alertez tout le monde, faites le tour des services. Dans son état, elle doit pas être bien loin. Oui, docteur. C'est la pagaille. Un gamin porte une malade et s'enfuit de l'hôpital, et vous laissez faire. Mais comment je pouvais savoir? Le garçon m'a dit que sa sœur croyait qu'elle s'était cassée la jambe et que c'était une foulure. Le garçon la portait. Enfin, elle n'était pas dans son état normal. Ah non, elle arrêtait pas de rigoler en s'empiffrant de gâteau. Elle mangeait? Vous êtes sûr qu'on parle de la même jeune fille? Par la forêt, on peut aller au port, sans se faire voir. Si des enfants avaient embarqué, je les aurais vus. J'ai pas bougé d'ici. Alors c'est bien eux qu'on a repérés dans la forêt de la Couvre. Je vais appeler la gendarmerie pour voir où ils en sont. Vous venez?
J'aurais juré qu'ils iraient à Cordoue. Je vais sur la plage, tu pars ? Ouais. Le médecin de l'hôpital, il est très inquiet. La moindre déshydratation peut être fatale à la petite. Vous pensez qu'elle passera la nuit ? Ça va ? Oui. Mais non, t'es toute blanche ! J'ai monté les escaliers trop vite. Il faut trouver autre chose que des pommes. Il n'y a plus rien depuis que Pierre est parti. Il y a des huîtres, mais... T'aimes les huîtres ? Hein ? Comme les crevettes, hein? T'inquiète pas, on n'a rien pour les ouvrir. Attends, je vais te porter. Allez! Les renforts sont arrivés. Bon, on se déploie et on quadrille tout le secteur. Allez! On pourra rien pêcher à marée basse. Fallait trouver quelque chose à manger. Moi aussi j'avais faim. Mais c'était pas pareil. Marie n'avait pas envie de dormir. Elle dormait quand même. Négatif au-dessus de la forêt. Ça fait 24 heures qu'on cherche dans le vide. Rien prouve que c'était eux qu'on a vus. Heureusement que j'ai un couteau. Qu'il y a une cuisine belle, c'est qu'il y a toujours une boîte de conserve qui se cache quelque part. Tu vois que t'es un menteur, parce que je sais que t'as envie. Qu'est-ce que vous attendez pour envoyer l'hélico vers le phare? Vous voyez vraiment pas où vous aurez pu se cacher. Marie connaît chaque cric, chaque bocose depuis Méché jusqu'à la cour. Ça nous promet de belles balades, mais on les trouvera. Vous les connaissez pas. Vous les avez attrapés une fois, il n'y en aura pas deux. Négatif sur le phare. S'ils sont partis en mer, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Négatif aussi sur la plage des Blocos. Tiens, mange. C'est la cinquième. Mange ou je te ramène là-bas. Si tu pêches une sardine, je te jette à l'eau. Je peux pas pêcher de sardine. Les requins les ont bouffées. Au secours, un requin sardine! Les hommes ont patrouillé dans toute la région. Ils ont fouillé chaque centimètre carré, rien. Et la forêt est immense, il y a des cachettes partout. Et mais les chiens auraient trouvé une piste. Sauf si les enfants ont suivi le bord de mer. Et j'en viens de la plage. Les empreintes seraient faciles à voir, il n'y a personne qui se baigne en ce moment. Un pêcheur vient de signaler une embarcation pneumatique avec des enfants à bord. Ils ont pris mon zodiac. Je vais te la faire encore tourner la tête! Il y a trop de turbulents, je peux pas rester sur zone. L'hélico a dû retourner à la base, mon commandant. Chaque fois que ces enfants sont ensemble, il arrive une catastrophe. Justement, ils ont besoin d'être ensemble. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Enfin, vous réalisez ce que vous dites? Ce sont des enfants âgés de 10 ans. Mais alors, on n'a pas le droit de s'aimer à 10 ans? Enfin, vous avez vu ce qu'ils écrivaient? Si je m'étais pas opposée, on se demande ce qui serait arrivé. À partir de maintenant, je vous interdis de prendre une seule décision concernant Marie. C'est une menace? Oui. J'imagine que monsieur le juge en a pris note. Mais on se fout de vous, du juge et de ses notes! Ce sont des enfants! On vous laissera pas les détruire! Yes. Ça sert à rien. Tiens, mes gilets. Pourquoi? Il faut retourner au phare. Cargo demande assistance pilote pour entrer dans l'estuaire. Ça commence à bouger dur, commandant. On a reçu l'appel d'un cargo quand le vent chenal, il se fait balader comme un bouchon. La météo? Fort vent avec rafale sud-est, sud-est, sur nous dans une heure environ. Ah, ça va pas être un temps pour aller aux crevettes, hein. Ils sont toujours aussi nuls, ceux-là. Elle est là, la tempête. J'ai un point sur mon radar, à l'entrée du chenal. Ça va vers le large. Tiens, ça pourrait être votre zodiac. Qu'est-ce qu'ils foutent? S'ils veulent traverser, c'est vers le Verdon qu'il faut aller.
C'est pas vers les États-Unis? Ils vont au phare. Dis à la SNSM de se grouiller. Il faut que la vedette de la SNSM mette immédiatement le cap sur Cordouan. Pourquoi ils iraient là-bas? Pour eux, là-bas, c'est le bout du monde. Ils sont loin de tout. Loin de vous. On pourrait pas demander au cargo de s'y dérouter, de venir chercher les enfants? Avec la houle, il pourra jamais se mettre en couple avec un Zodiac. C'est de ma faute. J'aurais dû aller au phare. Capitaine, j'ai plus d'image radar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Relais GPS a sauté, qu'est-ce que je fais? Appelez la recherche du cœur d'envoyer les remorqueurs. Mais ils seront jamais sur place à temps! Appelle l'héliport de la gendarmerie. C'est ça, pour qu'il y ait une catastrophe aérienne en plus! Non mais, c'est Pierre a raison, tous les signes tuent dans un fauteuil. Pierre! La SNC me traite à partir. Oui, oui, appelez le remorqueur du Verdon, il est plus près. Allô? Allô, capitaine Réa Cargo. Capitaine Réa Cargo. Oui, l'artillant. On ne peut plus garder le cap. On n'a plus GPS, on dérive, aller au fond! Pierre, t'es plus en service, hein. S'il y a quelque chose, c'est moi qui suis responsable. Il n'y a que moi qui connais la passe, surtout dans ces conditions. Si c'est toi qui pilote et qu'il y a un accident, je perds ma place. Mais arrêtez vos conneries avec votre règlement à la con. Tu sais ce qui va se passer si j'y vais pas? Tu le regretteras toute ta vie. Pierre embarque avec vous. Et toi, ça ne peut pas te faire prendre par les courants, hein? À mon âge, tu m'as bien regardé. Pierre, j'ai peur. Larguez les amarres. Ne t'inquiète pas, je vais les ramener. J'embarque avec eux. J'espère que vous vous rendez compte vous-même de votre responsabilité. Ta gueule! Ta gueule! Monsieur le juge. Bon, taisez-vous, vous fatiguez tout le monde. Donnez-lui une de nos vestes de secours, là. Allez vite! Je dis que je vais les attraper. Même si je dois choper mon Zodiac Warpon. Fonce! Embarcation droit devant! Bordel! Ils ont retrouvé le Zodiac, capitaine. Et les enfants? Ils sont pas dedans. Ah, nom de Dieu. Jamais Marie se serait fait prendre aussi bêtement. Il faut que tu les retrouves. Ils sont peut-être tombés à l'eau. Je t'en supplie. Je suis sûre qu'ils sont vivants. Elle a raison. Je vois pas les gilets. Ils sont pas là. C'est une liaison. Ils ont une chance. Non, pas avec ce temps. Marque là-bas. Arrête, tu vas te retourner. Mais la croix, c'est putain de mort! Tu vais rester toi aussi! Et t'es dingue! Tiens, prends ça! Ici ça marche. Normal, c'est sans batterie. C'est quoi? C'est l'ancienne lampe du phare. Dommage, il n'y a plus de pétrole. On aurait pu se réchauffer.
crois pas. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y a que la soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? SNSM à capitainerie. Pierre et le juge sont montés dans le canot, c'est de la folie. Ils sont tous devenus fous, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tout à l'heure, j'avais deux bateaux dans la tempête et maintenant j'en ai trois. Voilà ce qui se passe. Tenez-vous bien! Avec le vent, on peut se retourner! On vous cherche? Naviguer sans signal avec les hauts fonds qui changent tout le temps, c'est eux qui sont là. Fais demi-tour, Pierre. Sinon, tu pourras jamais revenir. Il y a Pierre avec eux. Il n'avait qu'à pas nous suivre. Faut pas qu'on devienne comme eux. Il y a du pétrole dans le groupe de secours. Je prends la lampe. Le cargo a acheté lampe, mais il dérive toujours. Ben évidemment. C'est comme si un poids lourd voulait freiner en lançant un cerf-volant. T'es sûr? En tout cas, ils nous tirent d'une sacrée galère. Hein. Le cargo n'a plus qu'à s'aligner sur Cordouan et il tire d'affaire. Pierre est sauvé. Marquis Giraud, capitainerie, on entre dans le chenal. Remerciez le gardien du phare pour nous. Vous pourrez dire aux gens qu'on fait pas que des bêtises. Marie-Éric, on va venir vous chercher. Vous m'entendez? On va venir vous chercher. Répondez-moi. La météo annonce une perturbation encore plus forte. Il risque plus rien. Cordon a connu une tempête bien plus forte, le phare est toujours resté debout. Quand la marée sera basse, ils vont accoster. C'est pas la tempête qui me fait peur. Les enfants, répondez-moi, on va venir vous chercher. Répondez-moi. S'ils nous attrapent, tu sais où ils nous emmèneront. Là où on va, personne ne pourra nous attraper. On veut pas revenir, faut pas que tu sois fâchée. Je t'en supplie, Marie, écoute-moi. Vous êtes mes enfants. Personne ne pourra plus nous séparer maintenant. Tu m'entends? Personne ne pourra plus nous séparer maintenant. Ils diront que tu peux pas nous adopter, que t'es pas mariée, que t'as pas le droit. Ne vous inquiétez pas, ils vont les récupérer. Vous avez pas compris ce qu'ils vont faire. Le phare. Le phare. Vous nous recevez? Je vous en supplie, répondez-moi. Marie, répondez-moi. Marie, Éric, répondez-moi. Vous avez coupé la radio, madame. Commandant Lapierre, foncez sur le phare et récupérez les enfants. Je répète, foncez sur le phare et récupérez les enfants. Mais la mer est trop haute, commandant. Je connais Pierre, il se démerdera. Je vais à l'héliport. Pierre à capitainerie! C'est incroyable, il n'y a plus un bête de vent ici! Et la mer s'est découverte jusqu'au phare! C'est pas possible qu'il y ait plus de vent là-bas et qu'ici. C'est une tempête contre une autre tempête. Moi, je croyais que ça n'existait que dans les livres. Faut que j'arrive à mon âge pour voir ça. Il a eu peur, petit prince? Tu crois qu'il a eu mal? T'es un vrai dur, toi. Tu parles de sale gosse! Je vais lâcher! Maman.
Si vous montez, on saute. Marie-Éric, faites pas ça. Si il saute, je vous tue. On a effrayé la personne sur secteur. On rentre à la base. N'approchez pas. Venez là. Si vous approchez, je saute. Et vous aussi. Va-t'en. Venez là, je vous en prie. Faut pas que tu te fâches. Ils ne comprendront jamais. Je t'avais dit de m'appeler. T'as menti avec les lettres. Je te jure, Eric, c'est pas lui. C'est jamais de votre faute. Elle a raison. Je vais régler tout ça. Je vous donne ma parole. Vous mentez encore. Même si les gens mentent encore, c'est pas grave. On a fait le plus dur. On finira par gagner. Là où on va, personne ne pourra nous séparer. Il n'y a personne là où vous voulez aller. Vous pensez à vos parents? Vous croyez qu'ils vous auraient aidé à surmonter toutes ces épreuves s'ils avaient voulu vous voir mourir? C'est eux qui vous ont protégé. C'est grâce à vous qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on va devenir, non, si vous êtes plus là? Non, faites pas ça. Vous allez pas tout arrêter maintenant que vous êtes presque arrivé au bout? On ne peut pas vivre sans vous. Marie, Eric. Je t'écrirai. Moi aussi. Tu me crois maintenant? Oui, je partirai plus. Ça veut dire elle est belle. Il n'y a que là, ça veut dire. Marie, Eric. Non. Maintenant, je sais que tu es là. Je sais que tu ne m'as pas oublié. J'ai sur ma joue la chaleur de tes doigts. Et sur mes lèvres, le souffle de ton baiser. Je ne dirai rien à personne. Je ne trahirai pas notre secret. Mais si j'ai du mal à être un homme, la nuit dans l'oreiller, je t'appellerai. Avancer un pied puis l'autre, la mer en bas qui frappe le rocher. Avancer un pied puis l'autre, et puis rester sans bouger. Je vole porté par la tempête. Le vent s'engouffre dans...